Je vais parler lentement dans le monde entier. C'est la cacophonie. Algérie, le dernier de la famille à être né chez toi est mort il y a 8 ans déjà. La distance, la distance s'agrandit. Les photos au mur sont tellement pâles qu'elles ne sont plus jaunies. Le soleil dessus depuis longtemps, lui aussi est parti. Algérie 2019, la classe internationale. Droite et dit comme un I. Avec ton sourire comme un doigt brandi, droit t'es digne comme un I lui aussi. Tu as marché fièrement sur ton Frankenstein de président. Peut-être que tu n'as plus peur, Algérie. Mais moi, les sociétés humaines sont des écosystèmes fragiles, Algérie. Il faut en prendre soin. Sociétés humaines sont des écosystèmes fragiles. Bocage Normandie. Algérie, très chère Algérie. Un pays sans juifs est un pays malade. Un pays sans juifs est un pays malade. Sauf peut-être la Sibérie nord-orientale ou la Nouvelle-Guinée, Papouasie. Un pays sans chanteurs est un pays malade. Lounès Matou, 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 Lounès Matou. Un pays sans juifs, un pays sans chanteurs est un pays malade. Un pays sans juifs n'est presque plus un pays arabe. Frère, si à moi, excuse-moi si je dis n'importe quoi. Oh non, pitié, ne parlons pas d'un pays juif sans arabe. Certains, mes ancêtres,
vivait Lourmel, Oran, Lemsel. Certains, mes ancêtres, sont tentés Lourmel, Oran, Lemsel. Certains vivaient là depuis le 15e siècle, l'exil d'Espagne. Certains étaient là depuis peut-être bien avant la conquête des Arabes, depuis les tribus juives berbères qui peuplaient les montagnes de Kabylie longtemps, longtemps, longtemps avant ta naissance, Algérie. Mais ce n'est pas une compétition d'ancêtres, ce n'est pas une compétition d'ancêtres. J'écoute Abdelkader Chaou. C'est magnifique le Chaabi. C'est beau comme du folk. C'est beau comme de la vraie country. Mais c'est plus beau encore puisque c'est de la musique orientale. Et la musique orientale est infinie. J'écoute Ferhat, Renet, Loranez. J'écoute Idir. Ah, va, va. J'ai la gorge qui se serre, je suis saisi, j'ai le cœur qui se brise au son de la voix de cette femme qui entonne la mélodie. Et j'ai pourtant l'impression d'être étranger dans ma propre nostalgie. Imposteur, imposteur dans ma propre nostalgie. C'est étrange d'avoir la nostalgie d'un pays qu'on n'a pas connu, ou bien c'est normal. C'est étrange d'avoir la nostalgie d'un pays justement disparu, ou bien c'est normal. Nostalgie de l'Atlantide, pays englouti. C'était pas une façon de se dire au revoir, Algérie. Ce n'était pas une façon de se dire au revoir, chante Leonard Cohen sur la chaîne IFI. Plus il a vieilli, plus il ressemblait à mon grand-père, Léon Boisis d'Algérie, Leonard Cohen sur la fin de sa vie. Ce n'est pas une façon de se dire au revoir. C'est triste pour les Juifs algériens. C'est triste pour les Algériens, c'est triste pour les Harkis. Avec les collègues, les amis, Karim, Mouloud, Mourad, Kamel, Farouk. On n'en parle jamais de toi, Algérie. Tu es comme une ombre qui plane au-dessus des conversations et des rires, comme un nuage d'octobre en montagne de Kabylie qui fait du froid et du sombre, même en plein cœur de l'après-midi, comme une ombre qui surplombe. Ambiance de plomb, on n'en parlait jamais de toi, mais tu étais toujours là, Algérie. Bouche tant de morts, tant de morts, tant de morts, 54, 55, 56, etc. Tant de morts, tant de morts, 91, 92, 93, 94, etc., etc., etc. Il ne reste plus grand monde à t'avoir connu à l'époque, Algérie. Je t'ai dit, Henri est mort.
grands-pères bien avant lui, et les oncles, et les tantes, et les grands-cousins disparaissent. Les gens disparaissent, et leur mémoire meurt aussi. Les gens meurent en exil, et leur mémoire s'exile aussi. Les gens disparaissent aussi à l'intérieur d'eux-mêmes. Je ne voulais pas parler de ça. 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 Mais je ne voulais pas parler de ça. Mais je ne voulais pas parler de ça. Mais je ne voulais pas parler de ça. 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 Moi, le faux juif disparu à l'intérieur de lui-même. Mais je ne voulais pas parler. De ça, moi, à qui n'en a rien transmis que la peur, le secret et la honte de lui-même. Et je ne voulais pas parler de ça. Je ne voulais pas parler de ça. Moi qui ne sais rien de moi que ce qu'on dit de lui dans mon dos, quand tout se révèle, quand les gens se dévendent dans toutes leurs bêtises. Les gens entendent, oisifs, ils entendent l'arabe ou ils entendent le juif, ça dépend simplement de leur maladie. Mais je ne voulais pas parler de ça. La France, c'est quand même terrible. Ceux qui ne sont pas anti-arabes sont antisémites. Mais je ne voulais pas parler de ça. Je ne voulais pas parler de ça. Il te parle comme un arabe, il te parle comme un juif, et tu n'as même pas l'honneur, et tu n'as même pas le bonheur de pouvoir leur répondre comme si. Mais quelle honte ce serait alors de se défendre de l'être. Mais je ne voulais pas parler de ça, moi, le faux juif, le faux arabe, qui peut être autre chose que cette impossibilité d'être. Moi, élevé nulle part dans la maladie, moi qui ne sais rien, moi qui ne me sens d'aucune époque, d'aucun pays. Entre moi-même et moi-même s'étend une distance infinie. Entre moi-même et moi-même s'étend mon vrai pays, Algérie. Quand on est allé à Oran en 2004 en pèlerinage, il n'y avait pas un seul doute. Algérie, chez toi, nous étions des juifs. Pendant tout le temps du voyage, tu nous auras offert ça, Algérie. En même temps que la peur et l'angoisse de marcher dans tes rues fantômes. Mais c'était nous les fantômes. On était les seuls touristes et on parlait à personne. La ville était pleine de gens qui avaient l'air de vivre, qui nous regardaient comme des fantômes, sans nous adresser la parole, peut-être par peur, peut-être parce que nous étions suivis constamment par la police, peut-être par peur d'autres forces maléfiques. La ville était pleine de gens et nous marchions dans la ville fantôme Oran qui n'avait pas bougé depuis des décennies. Nous marchions dans le quartier juif disparu, nous, les juifs disparus à eux-mêmes. Et nous marchions fantômes de juifs, juifs fantômes dans le quartier juif disparu. On osait à peine être là, on osait à peine faire du bruit. Et on est arrivé devant la boulangerie de grand-père. Et on est rentré dans la boulangerie de grand-père. Et j'ai vu que le patron savait qui on était.
J'ai vu que le patron ne voulait pas savoir qui on était. Et j'ai vu que l'Algérie avait encore peur que l'on revienne. Mais il n'y a pas besoin d'avoir peur, Algérie. Il n'y a plus besoin d'avoir peur. Qui rêve encore au retour? Qui rêve encore au retour? Qui rêve encore au retour? Qui rêve encore? Qui rêve encore? Retour. Par moi qui en rêve ici, sur Kassem, en 1983, Barbara. J'ai écrit sur Karim, dans une chanson ratée, qui ne vivra pas, mais cette chanson pour mon ami Kamel. Et tous les enfants d'Arki, tous les enfants de Pieds Noirs, pour tous les enfants des Juifs d'Algérie, cette chanson pour toi aussi, bien sûr, Algérie. Cette heure-ci, chez toi, il doit faire beau, il doit voler des hirondelles. Il pleut, bien sûr, sur Paris. Soleil tombe sur la mer à Oran, sur la corniche. Une mère rappelle son enfant, je la vois, tu sais, maintenant, en temps réel. J'espère qu'un jour, tu n'auras plus peur, peut-être. J'espère qu'un jour, tu n'auras plus besoin d'ennemis. Tu nous inviteras alors, de toi-même. Et nous, on viendra te visiter, nous, les descendants de ceux qui sont partis. Tu nous inviteras, et alors on viendra, en visiteur, en bête touriste. Algérie 2019, la classe internationale, droite et digne comme un I. Algérie.